L'amour est dans le pré 2023. Qui est Christine, l'éleveuse qui collectionne les loups dans sa maison et, sur son corps. Le compte à rebours a commencé pour le comeback de L'amour est dans le pré. M6 va très prochainement diffuser les portraits des nouveaux agriculteurs de l'émission de dating. Au casting, une certaine Christine qui ne va pas laisser indifférents les téléspectateurs. L'amour est dans le pré fait son grand retour sur M6. Les 30 janvier et 6 février prochains, M6 diffusera les portraits des agriculteurs de la saison 18 de l'émission de dating. Cette année encore, Karine Le Marchand va tenter de caser 14 célibataires, 11 hommes et 3 femmes, âgés de 26 à 62 ans. Outre Patrice, un éleveur de vaches allaitantes souffrant d'un handicap moteur, et Clément. Le beau gosse de cette nouvelle édition qui est un éternel célibataire, les téléspectateurs vont faire la connaissance de Christine. À 61 ans, cette dernière s'occupe d'un élevage de chiens et de chats en Nouvelle-Aquitaine. Mariée très jeune, à seulement 17 ans, elle a ainsi vécu 40 ans avec son mari et premier amour qui lui a donné 3 enfants. Malheureusement, son compagnon était peu démonstratif. Un gros défaut qui l'a amené à mettre un terme à son mariage après un coup de foudre avec un autre homme lors d'un concours. Elle quitte alors tout pour rejoindre le centre de la France. Mais cette belle histoire n'a duré que 3 ans. Christine et sa passion très spéciale. Christine est une femme haute en couleur, battante, indépendante, mais aussi d'une extrême tendresse et très émotive, qui ne demande qu'à aimer et être aimée en retour, explique M6, qui a aussi dévoilé sa passion pour les loups. Et Christine en a partout, que ce soit chez elle ou encore sur elle sous forme de tatouage. La sexagénaire ne compte cependant pas vivre seule au milieu de sa collection. Elle recherche l'âme sœur et celui avec lequel elle pourra tout partager. Elle rêve également d'un homme croyant mais pas forcément pratiquant, gentil, simple et qui sache la comprendre. Et si son prétendant habite dans le sud-est de la France, elle est prête à le rejoindre et prendre avec elle son élevage pour aussi se rapprocher de ses enfants. Christine attend donc avec impatience de découvrir son courrier.